les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Ingrédients puissants qui éliminent les douleurs osseuses et les crampes. À un certain moment de notre vie, nous avons souffert de l'une ou l'autre crampe, douleurs osseuses et autres inconforts que nous ignorons généralement au début, mais au bout d'un certain temps, ils peuvent devenir insupportables lorsqu'il y a déjà de graves problèmes articulaires. Si vous souffrez actuellement de l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, sachez qu'il existe un thé qui soulagera toute cette douleur et agira même comme un anti-inflammatoire. Il s'agit d'une infusion préparée avec la graine d'avocat. Il est très courant que nous utilisions l'avocat pour préparer divers plats de nourriture, en jetant ses graines, ignorant que la grande majorité des propriétés médicinales s'y trouvent. La graine d'avocat est idéale pour soulager diverses maladies et inconforts, étant d'une utilisation particulière en cas de crampes ou de douleurs osseuses. Infusion naturelle aux graines d'avocat. La préparation de ce thé demande un peu de patience. Vous devez d'abord retirer la peau brune recouvrant la graine, puis râper toute la surface, puis griller la surface râpée à feu doux. Pendant la cuisson, vous remarquerez que les brins ou les morceaux de graines changent de couleur et deviennent complètement rougeâtres. Si vous ne voulez pas râper la nourriture, vous pouvez rôtir la graine entière, puis la moudre comme du café. L'important est de le transformer en poudre ou en petites lignes qui peuvent être facilement bouillies. Maintenant, lorsque vous obtenez la poudre de graines, quelle que soit la méthode que vous avez utilisée pour l'obtenir, faites bouillir une quantité équivalente à 2 cuillères à soupe avec un peu d'eau, et cela laissera le processus se poursuivre jusqu'aux 10 dernières minutes d'ébullition. Après le temps, versez le médicament dans une tasse de thé et buvez-le au moins 3 fois par jour. Il est préférable de toujours le boire avant chaque repas. Avec la première gorgée, vous vous rendrez compte que l'infusion est un peu amère. C'est grâce à tous les antioxydants et nutriments contenus dans le fruit. Vous pouvez l'adoucir, mais assurez-vous de le faire avec du miel pur et non avec du sucre raffiné, car cela peut diminuer les effets curatifs du thé. Cette poudre peut également être utilisée comme ingrédient supplémentaire dans vos salades et autres recettes culinaires. De sorte que vous ne goûterez pas seulement une saveur nouvelle et spéciale, mais vous apprécierez également les propriétés médicinales qu'elle possède, grâce à sa consommation. Propriétés et avantages de la graine d'avocat. L'avocat a de nombreuses qualités bénéfiques pour la santé, mais la graine contient de fortes concentrations de fibres, d'acides aminés, d'antioxydants, de vitamines et de nutriments. Grâce à tous ces composants, nous pouvons bénéficier de nombreux avantages lors de sa consommation. Ci-dessous, je mentionnerai ces avantages. C'est un antioxydant, cela signifie qu'il prévient le vieillissement cellulaire. Prévient les maladies cardiovasculaires grâce à sa teneur en acides aminés, idéal pour traiter l'excès de cholestérol et de triglycérides et comme prévention des maladies coronariennes. Aide à élever les défenses et à lutter contre les maladies causées par les microbes, les champignons et les parasites. Il sert d'amincissant et brûle les graisses grâce au principe de combustion des graisses contenues dans la pulpe du fruit. De plus, il contient des fibres solubles, ce qui améliore le transit intestinal et nous procure une sensation de satiété. C'est un astringent, idéal pour traiter la diarrhée et l'inflammation du tractus gastro-intestinal. Il a des propriétés aphrodisiaques pour augmenter la libido. Il agit comme un revitalisant pour la fatigue et l'épuisement. C'est un excellent analgésique pour les douleurs articulaires et musculaires, utilisé par voie topique. Aide à prévenir la croissance des tumeurs, grâce à sa teneur en flavonol. Aide à prévenir l'épilepsie. Sert à éliminer rapidement l'apparence des boutons et des furoncles, appliqués localement, car il les aide à mûrir et à sécher.
permet de réguler les troubles thyroïdiens. Elle a un effet rajeunissant sur la peau, à la fois consommée et appliquée, car elle favorise la formation de collagène. C'est un bon complément pour traiter naturellement l'asthme. Calme les douleurs osseuses et les crampes. Comme vous venez de l'entendre, les graines d'avocat ou d'avocat ont de nombreux avantages, alors n'attendez plus et profitez-en. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partagez avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.